Comment on envoie une femme à l'arrivée Alors j'ai postulé ici parce que j'ai décidé de changer de vie, c'est-à-dire que j'avais fait du marketing, j'ai fait différentes choses avant qui n'avaient rien à voir avec les animaux, et aujourd'hui j'ai décidé de me retourner d'abord vers auxiliaire vétérinaire, et puis je me suis rendu compte que c'était pas exactement ce que je voulais faire, donc j'ai cherché ce qu'il y avait d'autre à faire et j'ai trouvé ce métier de soigneur animalier qui nécessite d'abord pas mal de stages, donc en zoo, pour pouvoir rentrer dans les écoles, une des 4 écoles en France. Donc j'ai donc décidé de me mettre dans la recherche des premiers stages. Et j'ai vu l'émission Une saison zoo, et puis je me suis dit bon bah pourquoi pas, on va essayer. Je suis allé sur le site internet et j'ai déposé ma candidature une première fois, et quelques mois après j'ai redéposé une candidature, et cette fois-ci ça a marché en moins d'une semaine. Donc voilà. Le stagiaire, ça commence à 7h du matin, ça se termine à 20h le soir, et ça fait environ 20 km dans la journée. Donc c'est très physique, surtout quand on n'a pas l'habitude de faire tous ces mouvements qu'on répète. Il y a 80% à peu près de nettoyage dans une journée. Et donc il faut être prêt physiquement à faire toutes ces heures de nettoyage et de ratissage. Faut pas avoir peur d'avoir mal au dos et d'avoir légèrement compote le soir. Donc voilà. Non, les gens sont très sympas, l'équipe est super. Et pour moi, c'est vraiment comme ce que j'ai vu dans l'émission à la télé, comme quand je la regardais. Donc c'est vraiment très sympa. Ils expliquent bien tout ce qu'il y a à faire, ils nous donnent des tâches assez variées, on change de secteur tous les deux jours, donc on voit un nombre d'animaux assez important en quelques jours, donc c'est très intéressant de voir justement tous les domaines et l'envers du décor dans justement différentes zones du parc.